Panda. I got broads in the land. Just to throw me in the family. Credit cards in the scams. Getting the licks in the band. Legacies. Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Eh bien écoutez, je suis content de vous retrouver. Eh bien, on vient d'arriver dans le garage. J'espère que vous allez bien. On va prendre notre petit tracteur. On est le matin et puis on est parti. Alors, on a pas mal de choses à faire. J'ai pas mal de choses à vous montrer. Alors écoutez, on va déjà faire le tour par ici pour vous montrer que ben, voilà, on a un petit peu arrangé cet endroit. Il y a encore un petit peu à faire, mais bah c'est déjà pas mal, voilà, que ici cette route a été faite aussi, voilà, vous voyez, mes ouvriers travaillent bien, là ça pousse à côté, impeccable, on va pas le récolter de suite, voilà, regardez aussi ce qu'ils m'ont fait, allez, on va aller voir à pied, c'est encore plus beau, regardez un petit peu cette plage qui est préparée, voilà, c'est joli, une petite allée ici avec des fleurs, voilà, moi je trouve ça plutôt joli, dites-moi si vous aussi ça vous plaît, et vous voyez ici dans cette forêt, c'est ici qu'on mettra notre petit chalet de ferme, voilà, notre corps de ferme, et donc bah, je trouve que c'est plutôt sympa, voilà, ça fait un bel espace détente, voilà, nos serres vont bien, je viendrai voir tout à l'heure si elles ne manquent de rien, et puis là on est parti tout de suite, eh bien écoutez, à la concession, hop, ah c'est bizarre, la route passe devant chez moi maintenant, ah ben voilà, ils ont fini la route, super, ah ben c'est chouette là, impeccable, alors qu'est-ce qu'il y a par là, oh mais ça a bien évolué, dites-moi. Ah, super, la route vient jusque là, d'accord, bon, des petites modifications. Ouais, ouais, c'est chouette là, c'est super chouette. Allez, ben, on emprunte cette nouvelle route, super, ouais, donc je disais, on va aller à la concession pour acheter, eh bien, une pailleuse, parce que je vais aller pailler mes vaches, comme je vous l'avais dit, les cochons, on les laisse comme ça, ils vont faire du lisier, et les vaches feront du fumier. Il faut aussi que je m'achète un pic à balle. Tiens, une nouvelle entreprise. Ah, on va aller voir qui s'installe. Bon, ici, le biogaz, hein, on va venir travailler avec eux. Ah, bah, super, génial, waouh. Donc, une usine de sel. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette usine de sel? Alors, hop, c'était marqué là. Alors, entrée, water, d'accord. Donc, il faut juste mettre de l'eau. D'accord, et puis ça va nous fabriquer du sel, bah, ça c'est génial, c'est parfait. Bon, bah, espérons qu'ils vont vite la terminer. Et puis la route là, ouais, bon, la route ça n'a pas été plus loin, bah, c'est déjà pas mal. Voilà, j'espère que vous appréciez ces petites modifications à chaque épisode, eh bien, qui progresse. On va aller voir à droite, alors clignotant maintenant, attention. Hop, d'ailleurs on peut mettre le gyro, puisque, bon là ils n'ont pas continué. Là ils n'ont pas continué, mais bon, alors il va falloir redresser la route, parce que si on va tout droit, bon, on va peut-être avoir un petit peu de déforestation à faire, on va voir ça. En tout cas ils ont bien travaillé, d'ailleurs j'ai cru voir que vers l'intersection il y avait plus d'arbres, bon, il y avait peut-être une petite plantation de sapins aussi, mais c'est bien sympathique. Voilà, de toute façon, les entreprises vont venir de plus en plus. J'espère que aussi des habitants vont venir construire des petits lotissements sympas. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous voulez eh ben, que ça accélère, voilà, que les entreprises viennent encore plus rapidement s'implanter, eh bien, il faut aussi que ben, vous soyez d'accord avec ça. Allez, on arrive à la concession. Donc, on va aller s'acheter dans un premier temps une pailleuse, parce que on en a besoin. Hop, alors bien le bonjour à tout le monde. Alors une pailleuse, bon ben de toute façon je crois que c'est par ici, et puis ben, il n'y en a pas non plus des masses. Celle-là, je l'aimais bien. Ouais, 25 000. Cette machine broie les balles de paille pour recouvrir le sol. Ouais, il y a celle-là aussi, c'est vrai. Mais sur l'autre série que j'ai, elle avait bugué. Je pense que je vais changer. Je vais prendre celle-là. Puis l'autre, on a l'habitude de la voir. Voilà, celle-là. Celle-là, je l'aime bien aussi. Quoique, vous me direz, celle-là,
elle balance par derrière, c'est vrai, alors que celle-là, elle balance sur le côté, c'est peut-être un petit peu plus réaliste. Bon, allez, on retente celle-là, hein, celle-là, on la connaît. Et puis, on va aussi prendre, donc, pour ma chargeuse, alors, j'ai un pic à balles, j'ai celui-là, sinon, ça, c'est une fourche à balles rondes. Ça aussi, ça peut être pas mal, c'est une sorte de... Ouais, c'est une pince, en fait. C'est une pince. Non, allez, on va prendre le pic à balles. Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est pour le fumier. Non, on va rester traditionnel sur celui-là, la couleur. Eh ben non, ça nous va bien, il n'y a pas de souci. Allez, voilà, ça c'est fait. Les premiers achats du matin, ça commence bien. Alors, où on récupère tout ça? Bon, ben ça c'est là. Allez, petit demi-tour des familles. Voilà. Bon, j'espère que vous avez été voir eh bien, l'épisode précédent et qu'il vous a plu. Avec cette installation de nos cochons, avec le pâturage aussi. Hop, on récupère notre pic. Voilà. Et puis, on va aller récupérer aussi cette belle pailleuse. Voilà, que vous connaissez, hein, qui n'est pas un mod, mais qui est la pailleuse d'origine du jeu. Allez, on est reparti. Oui, donc j'espère que ben, le dernier épisode vous a plu. Voilà, on continue notre petite aventure. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Ça monte tout doucement, tranquillement. Et je vous en remercie. Voilà, vous êtes aussi eh bien, de plus en plus à faire des commentaires sur mes vidéos, alors qu'elles soient farming ou autres d'ailleurs. Donc je vous en remercie, en tout cas pour la communauté farming, je vous remercie eh bien, de liker et puis de mettre des commentaires sous les vidéos, ça fait plaisir. Et puis du coup, eh bien, on voit que la série vous plaît et ça donne envie vraiment de continuer. Hop, allez, on passe cette bosse. Ils auraient dû mettre un panneau d'Odan là, hein. Voilà, donc ça donne envie de continuer cette saison. Donc, bah, c'est ce qu'on va faire. Voilà, mais je tenais à vous en remercier. Vivement, voilà, allez, on arrive. Alors oui, c'est ce que je disais, ici ça a bien changé, oui, ça bosse, bon lui, je sais pas trop ce qu'il fait là, mais en tout cas, ici ça a bien changé. Voilà, alors je sais pas si cette route-là, ils vont la continuer, mais je trouve que c'est bien, la laisser comme ça aussi. Voilà, hop, on arrive dans la ferme. Alors, on va aller récupérer une balle de paille. Je crois qu'il m'en reste une ici. Alors, hop, on est obligé de détacher, de dételer. Et puis, on va récupérer cette botte. Hop, allez. Voilà, on peut couper le gyro quand on est dans la ferme. Alors. Première, ah, j'aurais dû ouvrir la rampe derrière, ça aurait été plus facile. Ah, écoutez, on va essayer. Ah, sans masse, hein, ça fait son poids devant. Alors, on va essayer de la placer comme ça. On ne vous cache rien. Voilà, hop. Si ça ne va pas, eh bien, on fera autrement. Mais on va déjà essayer comme ça. Allez. Eh bien, ça m'a l'air pas trop mal. Hop, on descend. On va coincer la balle ici dans la remorque et on va tirer. Et ben voilà, c'est parfait. Allez, est-ce qu'on en met une deuxième tout de suite? Il y a de la place? Oui, me direz-vous. Allez. Hop. On baisse notre belle fourche. Alors c'est bien parce que j'ai le joystick de Logitech là. Et franchement, je trouve ça sympa ben d'utiliser le joystick. Hop, là, ça ne veut pas prendre. Voilà. D'utiliser le joystick. Pour utiliser le chargeur devant la fourche, et je trouve ça assez sympa, assez réaliste au final. Donc ça, on va le mettre là. Allez, pareil, hop, on lève. Hop, doucement, doucement, doucement. Voilà, on va pas commencer à tout péter. Hop, allez, pareil, on baisse. Ah ouais, vraiment avec le joystick, hop, tout paraît si facile.
Voilà, alors je si vous voulez savoir lequel c'est, hein, c'est marqué sous la vidéo. Il y a tout un espace avec ma configuration. Hop, on baisse la fourche quand même. Est-ce qu'on se fait un petit demi-tour? Hop. Voilà. Est-ce que ça va passer là? Oui. Hey, je deviens un pro des demi-tours. Alors, pour aller pailler, par contre, c'est par là-bas derrière, me semble-t-il. Ouais, alors on va être du mauvais côté avec la buse. Hop, on va passer là pour que ça soit un maximum réaliste. Si ça se trouve, on peut la tourner, hein, mais bon. Voilà, je vais pas chercher en live si on peut la tourner ou pas, du moins. On va se mettre tout de suite du bon côté. Voilà. Oh, les belles vaches à viande. Elles aussi, il faut qu'on les paille. Voilà, des nouveaux arrivants. Allez, ce n'est pas ici. Si, c'est ici. C'est parfait. Allez, go. Hop. C'est fini déjà? Encore une? Encore un petit peu? Non, c'est bon. Alors, donc ça... C'est bon, c'est au complet. Ça, c'est bon, c'est au complet. Ça, c'est bon, c'est au complet. Bon, eh bien, on est pas mal. Allez, go, il n'y a plus de place pour la paille. Par contre, là, il faut que je lève, sinon ça va pas passer. Ah, c'est juste avec le caillou, hein, mais je trouve que ça fait son charme, le caillou. Voilà, allez, on va laisser ça bah, par là, puisque tout est fait. Hop. Et puis nous, on va partir acheter les taureaux. Alors au moins un, non, je ne sais pas ce qu'il y a. Mais en tout cas, il faudrait mettre avec nos vaches. Parce que si je regarde ici, voilà, nos vaches, vous voyez, elles ne font pas de lait. Alors est-ce qu'elles sont encore trop jeunes ou tant qu'il n'y aura pas de mâle, eh bien, elles ne seront pas... fertile, donc pas de lait. Je pense que c'est ça. Alors, on va aller chercher de suite. Allez, recule encore un peu. Hop, c'est attaché. Est-ce qu'on laisse ça ici? Peut-être. Hein. On va pas se promener avec, avec notre pic. On n'a rien à ramener. Hop. Alors, on va essayer de le mettre correctement. Hop, on le baisse. Ah, c'est un réel plaisir, ce... Alors, par contre, il faut que je remette ça. Voilà, je suis pas sur le bon. Toc, toc. C'est ici. Non, il faut encore baisser. Je baisse. J'avance. Et voilà. C'est parfait, me direz-vous. Allez, on recule. Alors, on va essayer de reculer proprement. Voilà. Allez, go! Voilà, et du coup on va en mettre, je sais pas, un seulement, on va pas en mettre, on va en mettre un. Allez, on va aller chercher ce qu'on peut ramener, mais je pense que c'est ça, il manque un mâle dans l'affaire, et ça devrait le faire. Allez, le petit gyro, pour pas que vous me disiez que je roule sans le gyro, voilà. Et puis, ah oui, ce qu'on pourrait venir faire aussi, c'est mettre de l'eau ici pour le sel. Quoi qu'ils n'ont pas fini d'installer je sais pas quoi, là, en dernier, là. Ouais, bon, on va les laisser peut-être finir. De toute façon, il faut qu'on fasse un champ. Voilà, notre deuxième champ, mais premier qu'on fera, puisque le premier champ était déjà sur la map. Mais sur cette vidéo, je veux absolument faire un champ, en créer un, voilà. Et puis, on commencera nos premières cultures. Alors, sachant que là, nous sommes voilà, dans la deuxième transition. Alors ça doit être de l'été, on va regarder. Je ne sais même plus, voilà, de l'été. Il faut qu'on regarde ce qu'on peut semer. Sinon on sèmera de l'herbe, hein, si on peut pas vraiment, si c'est pas trop la période pour semer du blé ou des choses comme ça, c'est pas grave, on sèmera de l'herbe, parce que au moins comme ça on pourra faire du foin voire de l'enrubanné. Allez, on arrive à notre marchand de bétail. Alors on se trompe pas, donc ça
c'est les mâles que nous avons déjà achetés. Oui, ça, ok. Ça, ah, c'est un noir. On pourrait mettre effectivement celui-là. Ceux-là, je les aime pas. Alors, soit celui-là, mais on a plein déjà de limousines comme ça, puisqu'on a fait tout un pâturage avec. Soit celui-là, et on nous dit que c'est une bonne option, c'est moins cher pour les agriculteurs débutants. Ben c'est moi ça. Et connu pour sa viande marbrée qui peut vous apporter un revenu convenable sur le marché. Eh bien écoutez, allez, on va en mettre deux. On va pas être comme ça. Hein. Allez, je vous montre de suite. On va leur ouvrir un petit peu la bâche pour pas qu'il cuise sous la bâche de ce bel été avec le soleil qui se cache un petit peu par là-haut, je sais pas où, dans les nuages. Il n'y a pas trop de nuages. Hein. Vous me direz, là c'est le mode saison, c'est vrai, mais d'habitude le mode saison il est calqué, je crois, sur l'Angleterre ou un truc comme ça, je sais plus. Donc on a plus de pluie. Là, moi j'ai mis le mode saison France. Oui, je vous entends déjà dire. Mais nous aussi, il pleut, bien sûr. Mais j'ai l'impression que sur ce mode saison France, eh bien, il y a plus de soleil. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez déjà remarqué, mais il me semble bien. Voilà. Allez, doucement le dos d'âne. Tac, petite marche ici. Voilà. Ah, vraiment, cette route, elle me plaît. Après, je ne sais pas comment ça va se passer pour aller tout droit là-bas. Je ne sais pas s'ils vont me faire des beaux virages, des zigzags et tout, parce que pour tout vous dire, c'est pas facile à placer des routes comme ça sur une map. Alors je les ai placées directement sur la map et non en utilisant le petit logiciel Giants qui va bien pour les installer, parce que ça ne marche pas. Donc si vous voulez m'aider, n'hésitez pas, hein, parce que moi j'ai essayé, mais ça crache. Voilà, je n'arrive pas à le faire. C'est dommage parce qu'apparemment, c'est bien plus facile à installer que comme j'ai fait. Alors, hop, on déplace 18 vaches sur un espace de 200, pardon. On est pas mal. Allez, ça, on remet la bâche si jamais il pleut. Et puis, on va détacher notre belle remorque et on va aller ranger ce petit tracteur. Alors on va passer à nos serres pour voir ce que ça dit. Alors qu'est-ce que ça dit ici? Non, j'ai pas besoin de tronçonneuse, mon cher. Alors tac tac, arrête avec cette tronçonneuse de suite. Alors 67% d'eau, 49% d'engrais. Bah écoutez, ça tient plutôt pas mal. Peut-être que ça tient deux jours. Bon, ça c'est bien parce que franchement, je croyais que j'allais devoir passer ma vie à remplir l'eau et puis remplir l'engrais. Alors je dirais que l'eau, ça va encore, on achète une grosse citerne et puis en une fois c'est fait. Mais alors remplir l'engrais à coup de 4 godets, non 3 godets on a vu, hein, 3 godets à chaque fois. Voilà, j'allais pas passer mes journées à ça. Allez, nous on va récupérer quoi ? Pas ça, on va récupérer ce qui est caché ici, voilà. Allez, alors, hop, toc, 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 on va aller faire notre petit champ. Alors bon, ce Caterpillar D6K n'avance pas très vite, mais il est bien efficace. Alors, je voulais aller sur les hauteurs par là-bas. Allez, allez, mon petit gars, on y va, on y va. Bonjour les cochons. Bon, tout le monde a l'air de bien se porter. Donc on va aller faire notre premier champ. Je voulais le poser en bord, vraiment en bord de la ferme. Voilà. Vous voyez, on a commencé à délimiter bien là notre terrain avec la palissade, donc ça va tourner jusqu'au bout là-bas derrière les sapins, et je voulais du coup tout en bord de ce terrain faire le premier champ et limite après laisser un petit accès par là, voilà, un petit raccourci on va dire pour sortir sur les champs qui seront sur la gauche. Voilà, et puis plus sur la droite ici derrière, et eh bien peut-être continuer les bâtiments, les,
des hangars et ces choses-là. Mais voilà, commencer quand même en toute bordure de la ferme. Notre premier champ ou pré, je sais pas, en fonction de ce que je mettrai dedans. Alors, hop, on arrive. Voilà. Bon, ce caterpillar est bien efficace, mais ça va pas bien vite. 9 km/h. Et encore, quand il travaille, je suis à 6 km/h, je crois, même peut-être moins 3, je crois, quand il faisait la route. Alors, donc là, on a nos vaches. On a blablabla, bla bla bla, tout va bien. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est commencer à aligner ici. Voilà, je sais pas si c'est le mieux. Après, on formera un petit peu le terrain ici. Mais voilà, on pourrait s'aligner ici. On pourrait même reculer un petit peu. Tac, on va s'aligner sur le petit trait ici. Voilà. Si vous voyez, ça fait une marque, et on va essayer de suivre ça. Voilà, et on devrait passer juste à côté, ou en tout cas, on s'arrêtera. Ah ouais, attendez, on va même s'aligner à celui d'à côté, comme ça, avec un peu de chance, on passe à côté de notre forêt. Hop, hop, voilà, là on devrait y être. Je vais y arriver, vous inquiétez pas. Voilà, on recule, allez, au maximum qu'on peut ici. Comment dire, on va baisser, on est un peu trop bas, que les chenilles posent quand même, clac. Là, on permet la modification du terrain, je crois qu'on est bon. Allez, go. Ah, voilà, vous voyez en live, en direct, la fabrication de ce magnifique terrain. Alors normalement, avec les chenilles, on va plutôt droit, j'ai l'impression... Bon, si on commence à dévier, ça serait ballot. Faudrait vraiment que ça fasse un joli rectangle. Voilà, on va essayer d'être assez propre. Et puis, on s'arrêtera à la bosse, sachant que je ne sais pas trop si je vais la laisser. Vous voyez, celle qui est juste en face, là, cette petite colline. Voilà, là, on passe bien à côté de notre forêt. On aurait même pu resserrer un petit peu à gauche. Mais écoutez, ouais, c'est pas mal. Alors là, est-ce que je continue? Ouais, ça fait déjà une belle parcelle là. Alors, attendez, on va se stopper, aligner ici. Hop, on relève. Parfait. Là, on fait faire un petit quart de tour à notre machine. Hop, on va se raligner aussi ici. Hop. Alors là, par contre, avec les chenilles, c'est toujours compliqué. Voilà. Alors, hop. Hop, je sais pas si je suis encore bien aligné. Oui, là c'est pas mal. Alors est-ce que ça va peut-être faire déborder un peu là? Non? Ah ouais, un petit peu. Bon, ouais, c'est pas grave. Hein. Allez. Oui, ça fait arrondi, c'est pas grave. Allez, on continue. Alors là, on va s'arrêter bien évidemment à notre bosse. Alors je la vois pas trop. Top, ici. Allez, on relève, et puis on va se raligner ici, même si après on fait ce petit décrochage, hein. Ça, pas de souci. Alors attendez, on va se mettre droit, parce qu'avec les chenilles, ça a toujours un petit temps de latence. Et puis on va venir bien ici. Je sais pas si je suis trop droit là. Au bout, est-ce que je vais pas dévier? Si, je vais redresser un petit peu, voilà. Allez. Donc on vient juste ici, pas trop loin, on baisse, ouais, parfait. C'est là, les angles droits sont magnifiques. Alors par contre, est-ce que ça dévie? Ouf, non, ça a l'air d'être à peu près droit. Bon, là la parcelle n'est pas très grande, mais vous voyez, ici là on viendra faire un petit décrochage, là où on voit les ombres des oiseaux. Voilà, on va aller jusqu'au bout et on viendra faire ce petit biseau là. On viendra le faire effectivement. Alors, par contre, là, il faut pas qu'on se loupe, il faut qu'on soit bien aligné. Est-ce qu'on, là, on est toujours aligné. Vous voyez un petit peu les marques que ça fait sur ici l'herbe. Voilà, déjà ça, à mon avis, c'est bien droit. Et là, on va regarder où on s'arrête. Attention, 3, 2. 1,
Et encore un coup. Hein. Hop. Ah, top, j'ai été trop loin. Viens voir. Non, c'est parfait. Allez, on s'aligne ici maintenant. Alors pareil avec les chenilles. Hop, on recule. Oui, je pense qu'on va être droit. Et puis, hop, on baisse et en avant. Voilà, c'est magnifique. Bon, en fait, là, ça laboure. Hein. Voilà, tout simplement, c'est la création de champs, mais ça, vous devez connaître. Pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, on peut labourer avec eh bien, une charrue, mais là, c'est un mode, hop, on lève, qui permet, eh bien, bah déjà avec ce... Alors, attendez, je vais remonter ça, parce que là, ça touche. C'est un mode qui permet de le faire avec... bon, celui-là, le Caterpillar le fait, mais aussi avec mes charrues. Voilà, et c'est bien pratique, c'est comme ça que j'ai fait les routes. Si vous voulez le voir, c'est fait dans un des épisodes précédents, je ne sais plus lequel, le 2, le 3, donc n'hésitez pas à aller les voir pour ceux qui ne les ont pas vus. Et du coup, vous verrez comment avec une charrue de 8 mètres et une autre de 4, j'ai pu faire mes chemins. Voilà, allez, on va faire un petit peu ce biseau, cet angle, et puis ben, on va se laisser sur ce dernier terrain. Quand vous reviendrez, ben, je pense que tout l'intérieur sera labouré, peut-être même planté. Allez savoir, voilà. Alors, si vous ne me suivez pas ben, et que la série vous plaît, ben, n'hésitez surtout pas à le faire, hein, parce que comme ça, vous aurez mes prochains épisodes. Allez, on va s'aligner. Écoutez, ici... L'angle m'a l'air pas mal. Alors, si je baisse, du coup, je ne suis plus bon. Donc, on va baisser comme ça. Hop, ça lève. Je redescends un petit peu. Voilà. Et là, est-ce que c'est bon ? Oui, je passe à côté de ma colline. C'est parfait. Vous voyez un peu ce que je veux faire. Et là-bas, qu'est-ce que je vais faire ? Ben, je vais rejoindre. Voilà, donc il ne faut pas aller trop loin pour passer... Ouais, là, ça doit être pas mal. Hein. On va pas aller trop loin. Parce que vous voyez, là, ça va être plus compliqué. Je risque de passer à côté de mon champ un petit peu. Alors, attendez, on va faire comme ça. Hop. Oui, c'est mieux. Et là, je redécale un petit peu et je viens ici. Alors là, si j'ai bien visé, les gars... Non, je pense que je touche légèrement le petit chemin. Allez, qui parie ? On descend, clac, et on est parti. Allez, tout droit. Allez, allez. Ouais, ça passe à côté. Ça passe à côté, mais ça ne va pas à la pointe. Ah là là, la géométrie. C'est pas mon fort. Si, pourtant, j'étais fort à l'école. Allez, c'est pas grave. On redressera depuis l'autre côté. Écoutez, on se laisse voilà, sur cet épisode. On va s'arrêter ici. Quand vous reviendrez, je pense qu'il y aura encore beaucoup de choses qui auront changé. J'espère que cet épisode vous a plu. Dites-moi si vous en voulez plus. Et puis, surtout, portez-vous bien. À la prochaine. N'oubliez pas de liker. Et je vous dis bye bye.